Nous allons relever le défi des jours heureux. Nous continuerons de nous battre jusqu'à l'obtenir. Notre objectif, c'est l'empreinte carbone nulle en 2050. Notre objectif, c'est de sortir des énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle il faut investir dans la production d'énergies renouvelables comme celles produites par les barrages que nous avons en France. Il y a là un siècle de travail, un siècle de sueur, des milliers d'hommes et de femmes qui ont abouti à ce chantier titanesque et ces trois barrages qui existent ici au cœur de la vallée d'Ossau. Ces barrages, plus que de produire de l'électricité, ils préservent aussi la biodiversité, ils préservent la faune et la flore. Ce sont eux qui gèrent l'eau. C'est un bien commun. Maintenant que ces barrages sont amortis, le président Macron et la Commission européenne veulent les vendre au privé. Nous disons non, nous ne voulons pas du projet Hercule, nous ne voulons pas de la mise en concurrence de ces outils industriels qui sont des biens communs de la nation. Nous voulons relever le même défi qu'avait fait Marcel Paul en créant EDF-GDF. Nous voulons une entité publique de production et de distribution de l'électricité. Nous allons relever le défi des jours heureux. Nous continuerons de nous battre jusqu'à l'obtenir.